Eh les gars, je suis choqué. Il y a encore, en 2023, des nouveaux jeux Five Nights at Freddy qui sont faits par la communauté. Et du coup, je me suis dit, pour un peu de nostalgie, on va rejouer à un jeu, un fan game qui s'appelle The Glitched Attraction. C'est un fan game de FNAF, mais mec, je sais plus du tout ce qu'il faut faire dans le jeu. Donc, on va essayer et on va voir si ça fonctionne. Let's go! Bienvenue à la foire à la saucisse. Wesh, il a un setup gamer. On sent la souris qui vaut bien au moins 50 balles, bien sûr. Bonjour, c'est le dévol de tacos, c'est Esteban. Dude, tu dois partir de l'attraction Fazbear Pizza. Mes amis arrivent bientôt, hâte de te voir. Ma nouvelle localisation t'a été envoyée. Va à la localisation à ce soir. Mais c'est quoi ça encore? Attendez, parce que là je comprends rien. En plus, qui a un téléphone aussi moche? Le truc, c'est quand je joue à ce genre de jeu, je veux trop rigoler et faire des blagues, tu vois. Parce que sinon, après, je sais que je vais vraiment avoir peur. Et ça, c'est pas foufou. Petit conseil, le truc le plus important dans le jeu est de pas mourir. Oh, merci. Ça s'applique aussi à la vraie vie d'ailleurs. Oh, mais attendez, je me souviens. C'est pas la première fois que je joue. Mais j'ai aucune. Enfin, j'ai aucun souvenir du jeu. Mais qu'est-ce qu'il raconte, gros? Je dois écouter qui? Je pense que c'est lui que je dois écouter. On dirait ça, les trucs dans les pubs. Voir modalité d'un magasin participant. Tu sais, quand ils disent un truc super rapidement à la fin des pubs et que personne ne comprend rien. Là, le robot, pour vous résumer, il m'a dit: derrière ce mur, il y a tous vos cauchemars et tout, mais il faut payer 15 balles pour y aller. Donc je paye pour me faire péter la gueule. C'est vraiment génial, je paye tout de suite. Tiens, mon gars, 15 balles par contre, vous êtes vraiment des feignants. Attends, maintenant ils veulent que je leur donne tout ce que j'ai? Mais tout ce que j'ai? C'est vous? C'était le moment émotion. Quoi? Attends, mais genre, on est mon cartable, frère. Genre, mais non, mais arrête, reviens. Je me souhaite une bonne expérience. Je vais sûrement jamais revenir. C'est très creepy. Oh, c'est trop bien. Ok, je m'appelle Freddy. Tous les jours, je mange des pisses en lit. Ma maman, elle me donnait la tétine quand je faisais pipi dans mon lit. Oh, il y a Foxy. Oula, il est maillé. Oh, il me donne une lampe. Tellement marrant, Foxy, tellement drôle. Je dois faire quoi du coup? Appuyez sur le bouton là? Non, parce que les gars, c'est pas que vous jouez mal, mais votre musique c'est un peu tout le temps la même quoi. Ça fait 5 ans que vous jouez la même chose. Vous avez fait un tube, vous avez pas réussi à vous en sortir après. Bon, là on sent qu'on atterrit dans le vrai jeu. In the real shit, comme diraient les anglais. Bon, je suppose que je dois aller par là. Miamo Carlos, oh non! Alors, je vais vous expliquer en gros ce que je me souviens. Ah, en gros, il faut se cacher dans Freddy quand il y a des bails qui arrivent là. Lui, il faut lui donner une gifle de temps en temps. Et il faut que on résoudre ce problème. Alors, je m'en passe, ce genre de jeu, quand j'étais petit, je trouvais ça incroyable. J'adore les jeux comme ça. Mais The Problem 78, c'est que c'est long et qu'il y a d'autres animatronics qui vont venir. Et ils sont pas tous nos amis, loin de là. Ok, quand il y a ça, il faut se cacher, Cache-toi! Oh là 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 là! Gros, ça fait trop peur! Comment je sors? Comment je sors de là, gros? Mais je vais jamais m'en sortir. Il y avait quoi dans mon verre pour que je vois des hallucinations comme ça? En vrai, j'essaie de me concentrer et de me dire, en vrai, FNAF à la base, c'est un jeu pour enfants, non? Bah, ça marche pas. Y'a le gros Freddy qui va débarquer. Bah j'ai réussi là, non? Peut-être ça juste. Bah là j'ai réussi. Ah! Vite! Casse-toi! Tu es laid! Pour l'instant tout va bien, en vrai je m'en sors plutôt bien. Ah vas-y, c'est le truc là-haut qui cassait les couilles, c'est ça? Oh les détails. Oh! Toi tu fais quoi? Hey, toi tu baisses ton yeux quand tu regardes. Casse-toi! On dirait vraiment les cauchemars. T'imagines, t'es un enfant et tu vois ça tous les jours. Mais t'es trop mal, frère, au bout d'un moment. Oh, y'a un code ici. Faut qu'on trouve les gars, c'est quoi le code? Oh, une clé. Est-ce ce clé tout le verrou? Oh, une deuxième clé, fort de deuxième verrou. Et à l'intérieur, j'ai quoi? Ah, mais j'ai la pièce manquante. Parfait. Ok, par contre, il y a lui dehors. En fait, le truc, c'est qu'il faut être comme une maman. Faut surveiller tous ses enfants. Je jure, Nightmare Freddy fait trop peur. Fait clairement dans le top 10 des animatronics les plus effrayants de France. Casse-toi, je te jure, t'es flippant. T'es un vrai stalker. Oula. Non! Ta gueule. Ah. Alors, personne m'a prévenu qu'il y avait Bonnie par contre. Bon les gars, on va refaire. Je le sens bien. Je me mets en mode Naruto. Naruto c'est un ninja, il a peur de rien. Moi aussi. Allez vite dans le costume. On est comme un acteur. Notre vie est jouée dans un costume. Ok, pour l'instant tout va bien dans le sopalin. Allez, mais lève-toi, je comprends jamais pourquoi il se lève pas. Mais simplifie-moi la vie la prochaine fois. Par contre, genre, je kifferais jouer à ce jeu dans la vraie vie. Genre juste cette partie là du jeu. Pas le bail avec les animatronics qui veulent me kill. Juste la partie où il faut bien refaire le Freddy. Oui, je suis hyper actif et j'ai 5 ans. Non mais là il est parfait aussi hein. Je vois pas si un. Ah si, y a juste ça. Vite. Ok, là dès que je sors, il va falloir que je fasse attention. Pour l'instant, Nightmare Freddy est pas là. J'ai l'impression qu'en vrai, on pourrait peut-être éviter Nightmare Freddy si on est assez rapide. Ok, là il y a un code 575034. 575034. Je suppose que c'est le code pour aller ici. Comment ça? Ah non, c'est un marteau. Qu'est-ce que vous allez faire, les gars? J'ai un marteau. I'm so crazy. Je suppose que le marteau, ça sert à enlever ça. C'est là qu'il y a Foxy en peignoir qui nous attend derrière. Pour l'instant, en vrai, il nous attaque pas trop. Après, on est allé trop vite. Oula. Ah!
Pourquoi ça s'ouvre pas? Pourquoi ça s'ouvre pas? Plus vite! Alors, on est revenu dans un endroit qui fait grave flipper. Par contre, on en parle pas assez que j'ai réussi. Genre, je trouve qu'on en parle vraiment pas assez, gros. Oh, là, ils sont en mode kawainer. T'as refait tes cils, mon petit Freddy. Oh là là. Use the locker to hide. Donc, se cacher dans les lockers. Utilise le Freddy pour attirer. Et fais les puzzles. Comment je sais que je vais pas y arriver? Wallalalalala. Dans ce classique, ça fait peur. Alors, déjà, je pense qu'il faudrait trouver, bah, du coup, les lockers. Ah! Mais s'il te plaît! Mais mange tes morts, toi, casse-toi! Pourquoi il y a un cupcake? Il y avait un cupcake par terre. Je suis dans le casier, tu peux pas attraper! Ça passe, faut que j'éteigne ma lumière. Il y en a un juste là, je le sens trop pas, frère. Mais les gars, la salle, elle est genre minuscule! Est-ce qu'il faut lui, faut que je le rattrape? Je dois faire quoi avec le cupcake? Oh merde! D'ailleurs, bah là, pendant que ça charge, voici la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner maintenant pour rejoindre la communauté. Vous êtes de plus en plus à devenir des raytoniens, ça fait trop plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, les gars. Eh, venez, on fait péter les pouces bleus. J'en demande jamais, alors là, je peux. Alors, je sais pas ce qu'il me prend après, mais. Ah, ils sont plusieurs. Faut arrêter, ça fait trop peur, j'en ai marre. Tu es mort. Ah, ma merci. Mais comment on gagne ce truc, gros? Parce que, ok, se cacher dans les lockers. Who's the crank? Mais c'est quoi, the crank? Un crank, c'est pas une planche? Anglais LV1. En fait, ça va être un jeu où le but final, ça va être de me cacher, non? En vrai, moi, j'ai peur de personne. C'est les gens qui ont peur de moi. Là-bas, il y a un bouton rouge. Donc, faut jouer avec les sons pour attirer. Ok, Balloon Boy, il m'a vu. Balloon Boy, est-ce que je peux faire un truc pour toi? Je sais pas, t'apporter à boire. Ok, pour l'instant, y a pas le deuxième Foxy. J'ai l'impression qu'il y a que Chica. Mais ils sont deux, hein, ça faut pas oublier. Tout à l'heure, ils m'ont pris en sandwich triangle, j'étais pas bien. Les gars, Chica est juste là. Bon, de ce que je comprends, apparemment, il y a des codes en fait. Il faut trouver les codes. Oh là, il y a des museaux et tout. C'est là en fait, ils fabriquent les animatros. Faut juste pas marcher sur Balloon Boy aussi, faut pas oublier. Des barres de céréales, j'en veux. Hein? T'es qui toi? Mais pourquoi il a spawn lui? C'est qui? Oh, en fait, il y a des casés qui sont bloqués. Il y a des casés qui sont bloqués, en fait. On peut pas tous les utiliser. Ça, c'est un truc de bâtard, en vrai. Les devs, vous êtes pas cool. Déjà, vous m'avez pas fait de tub, donc clairement, vous êtes pas cool. J'ai même pas de corps, j'ai même pas d'âme. Ils m'ont volé mon âme. En fait, Chica, tant qu'on marche derrière elle et qu'on est discret, elle nous fait R, tu vois. C'est juste qu'il y en a un qui passe par les ventilations quand on reste trop près des ventes. 1 et plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, 1 et plus? Wesh. Non. Mais c'est quoi ce petit respect? T'as cassé mon fauteuil! Frère, 30 ans de carrière, jamais vu ça. Je vais péter un câble. Là, il y a ça, c'est quoi? Il y a le fameux truc du plus, mais c'est tout. Comment ça marche? Parce que regardez, là, je crois que tant qu'on n'a pas mis start, on peut se balader dans l'endroit. Donc venez, en fait, on cheat! C'est quoi ce cheat code, gros? On peut juste se balader. Hello Balloon Boy! Toi, je t'aime bien. Quand tu me tues pas, je t'aime bien. Ouais, quand tu rigoles aussi. Forcément, le code, il doit être en plusieurs parties. Et ça se trouve, en vrai, je dis de la D et ils activent que les papiers quand ça commence. N'oubliez pas, les amis, que avant de se battre, faut toujours connaître son ennemi. Et mon ennemi me fait peur. Je crois qu'on n'aura pas les papiers. Je suis un sans papier. Ok, Chica est juste là. En fait, là, je m'en fous de vivre ou de mourir. Hein. C'est juste un test. Oh, elle est là. Elle me voit. Attends, gros, elle est buggée. Elle est comment cassée? Je sais pas si vous l'avez vu. Parce que le jeu, il est sombre. Hein. Du coup, c'est quoi ça? 4, 2, 1. Ok, j'ai capté. En gros, il faut qu'on aille à faire le code. Et le code, je crois que c'est juste deux trucs, mais il faut les trouver bien. Parce qu'en fait, il y a pas de chiffres, c'est des symboles. Et certains symboles sont des chiffres. Faut qu'on trouve c'est quoi le 2. Là, on fait juste des essais. Ok, 2, c'est ça. Donc, c'est tac, tac. Quoi? Mais comment ça, c'est pas ça? Ah, attendez, il est là. 3 et une bobine. Maintenant, il faudrait qu'on fasse des allers-retours, en fait, pour faire des tests. Pour savoir c'est quoi le 3, c'est quoi le 2. En fait, là, ça va juste être faire des tests. Il n'y a aucun autre moyen de gagner que de tester. Oh, les bruits, c'est de pire en pire, gros. C'est de pire en pire, là. Ah! Mais voilà, mais c'était sûr, en fait, putain! Let's go tenter. Donc là, il faudrait qu'on trouve le 2. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, 1. Non! Je vais tenter de le semer sur le long terme. Ouais, bon, c'est un peu sûr que ça passe pas. Je comprends pas le code, gros. Les gars, je pense qu'en fait, il doit me manquer des chiffres. C'est pas possible. Et surtout que je comprends pas pourquoi il y a des 1, des 2. Là, je retente un run où le seul but, c'est de savoir où sont les papers. Donc, on sait qu'il y en a 2 juste là, qui sont à peu près tout le temps les mêmes. Est-ce qu'après, il y en a d'autres endroits? Faut vraiment avoir l'œil de ouf. Oh, mais voilà, mais il y en a d'autres! Alors, attendez. 6, truc chelou, 1 machin. Vous devez rien comprendre à ce que je dis. Je vais tenter une stratégie, mais je suis pas sûr qu'elle marche. Donc, ça serait 1. Mais non, normalement, c'est encore ça! Les gars, je crois que c'est officiel, je suis perdu. Mais voilà! Mais c'était sûr. Non mais vraiment. Mais non. Mais casse-toi toi aussi. Les gars, je commence à me lever. Je ne comprends pas comment on gagne ce jeu. Vraiment. Je sais pas. Est-ce que au montage vous comprenez quelque chose? Voilà. Non. Chica, arrête. Ok, je me serais énervé. Je t'ai confondu. Mangle, Chica. Ça arrive. Il faut trouver le code en fait. Et qui vous dit que je l'ai pas déjà noté? Les gars, j'ai noté. J'ai pré-noté le code. Ça veut dire que logiquement, si je suis pas nul. S'il vous plaît, faut que je me cache. Là, je suis à l'intérieur, les gars. Je crois pas que Chica m'ait poursuivi. Je pense pas qu'elle me poursuivra là, tu vois. Mais j'ai pas eu de chance. J'espère que je l'ai pas trop excité. Hein. Après, je sais que ma présence, voilà, est indispensable. Attends, j'ai trop envie d'aller, genre, juste la pousser.
T'imagines, genre le gars, il est au point de mourir. Ça, c'est vraiment un moment extrêmement stressant. Et il se dit juste, je vais aller pousser Chica. Attends, elle arrive jusqu'au bout. Voilà, je pense que là, on peut sortir. Oh frère, il y a pas le... Mais c'est tellement effrayant. On va tenter le code. S'il marche pas, le seum est encore plus grand que la voie lactée, mon ref. Je prends bien mon temps. On n'est pas pressé. Quoi? Bon, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai eu trop peur. Les gars, je vous jure, je comprends pas. J'ai noté sur internet. J'ai vu des gens le faire avec le même code. Pourquoi quand c'est moi, ça marche pas? Non, mais, par contre, j'ai le seum parce que vraiment, je bloque sur ce niveau-là. Et pourtant, c'est pas, je pense, le plus dur. Le pire, c'est que après les autres niveaux, je sais comment les faire normalement. Juste celui-là, il veut vraiment pas. Ok, les gars, on oublie tout ce que j'ai dit. Je suis devenu super intelligent. J'ai surtout regardé des astuces sur internet. Donc déjà, étape 1. What? Ne pas mourir. Je vais attendre ici. Donc en gros, je vais expliquer. Vous voyez les papiers? En fait, je pensais que le 2, par exemple, là, il est marqué 2 et une sorte de signe à côté. Je pensais en fait que les deux étaient liés à un seul chiffre. Mais en fait, dans toute la map, faut trouver des petits post-it. Et en fait, le 2, c'est l'ordre. C'est-à-dire que ça, c'est le deuxième truc qu'il faut activer. Donc là, c'est là, faut trouver le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, t'as compris. Sauf que le problème, c'est qu'il y a Chica la Chiquette qui est juste là. Et qui pue la merde. Est-ce que maintenant, je peux travailler, s'il vous plaît? Ok, donc là, c'est le deuxième. We need to find the other. Ok, le sixième. En vrai, il faut juste que Chica reste derrière nous. Ok, je commence à être pas trop mal, les gars. Mais j'espère juste que je vais pas mourir parce que. Je viens juste de dire, j'espère que je vais pas mourir, ta mère l'aspirateur. Et les gars, je suis un enfant, je suis obligé de faire des dessins et tout pour pas me perdre. Et les gars, c'est tellement dur d'écrire, jouer, se concentrer, faire des blagues. La vie du youtubeur, c'est pas comme ça que je l'imaginais. J'ai vu des choses horribles dans ma vie, hein. Mais ta tête là. Les gars, il nous manque que deux chiffres. Il nous manque le 3 et le 5. Moi, je pense que tout est possible. Mes voisins m'ont appelé, ils en ont marre que je crie tout le temps, donc faut qu'on termine le jeu. Et je vous dis, on va y aller doucement, doucement mon ref. Parce que si, en plus... Une fois que j'ai le code, je meurs et je dois recommencer. Mais mec, je balance mon PC par la fenêtre. Oulé. Non, non. Eh, je jure, j'espère que ça va être les mêmes chiffres. C'est trop dur comme jeu, j'ai juré, c'est dur. J'en ai vu des choses dures dans ma vie, mais ce jeu, ok, c'est pas les mêmes. Putain, c'est trop dur et stressant. C'est pas un jeu pour moi, mec, c'est trop dur. Bon, les gars, là, j'ai réussi à speedrun. Il nous manque que le 2 et le 3, et on est bon. Mais le 3, on l'avait pas trouvé tout à l'heure. Mais je crois que je sais où ils sont. On attend que Chica passe, et les gars, je pense qu'on aura une ouverture pour peut-être gagner. Peut-être. Parce qu'en soi, Chica, on peut rester derrière elle, hein. Les gars, je prends un autre papier pour réécrire encore une fois le code. Pour bien l'écrire. Parce que j'aurai très peu de temps pour le placer, donc faut que je sois sûr de moi. Alors, les gars, j'avoue. J'ai juste un tout petit doute sur le 5. J'arrive plus à me souvenir d'un truc. Donc il va falloir quand même qu'on aille refaire un tour, putain. Regardez mes dessins de théorie craft. Je suis vraiment un malade mental, gros. Quoi? Mais comment c'est possible que les deux ça soit les mêmes? Les gars, normalement j'ai le code complet. Donc on devrait pouvoir essayer de le faire. Moi je vais essayer de le faire, mais juste j'attends que Chica fasse un tour. Comme ça, après on se met juste derrière elle. Mais là normalement j'ai le code complet. Et c'est ça. Et si c'est pas ça, bah j'arrête le jeu. Ce mec il est trop radical. Mais vraiment, l'épisode d'avant il y avait 1000 mécaniques et je galérais. Là il y a une mécanique et je suis un galérien. Non, s'il te plaît, pourquoi? J'ai pas envie de le refaire, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie, putain. Tout le monde sur internet a triché, y'a que moi qui le fais pour de vrai ce jeu et j'en ai marre. C'est trop dur. Hein, je vous jure, j'ai craqué, ça fait une heure, j'en ai marre. C'est quoi, vas-y? Bah vu que dans tous les cas, peu importe les techniques, ça marche pas. On va y aller en mode speedrun, ok, c'est bon, c'est parti, on s'en bat les couilles. De toute façon, on a rien à perdre. C'est pas comme si la vie, ça servait à quelque chose. Et en vrai, là, j'y vais en mode peinard, y'a rien qui m'attaque, c'est trop bizarre. Attendez, je viens de réussir à faire le code complet en 2 secondes ou c'est moi? Je viens vraiment de faire un speedrun du code. J'ai réussi. Putain, j'ai entendu des bruits, nique ta mère. On va essayer de refaire un tour, les gars. Moi, je pense qu'on peut, genre, finir cette game-là sans même voir mon gueule, hein. Je sais pas, attendez, mais parce que là, j'ai entendu mon gueule, mais je l'ai pas vu. J'ai le code. C'est pour... Les gars, je suis plus saucé d'avoir ce code que le vrai code de la route. Eh, Chica, t'aurais pas le code? Parce que moi, je l'ai. Non! J'ai trop fait le malin. Un, c'est le signe Ling-Yang. En troisième position, nous avons une barre électrique. Ok, il me reste que le 2 et le 4. Et je sais où ils sont. Ok, 4. Non! Oh, ils sont teubés! Ok, normalement, là, ça devrait le faire. Non, mais non! J'en ai marre! Ça fait 10 fois, je le fais ton putain de code à la con! J'en ai marre! Pourquoi je peux pas le faire tranquillement? Mais vraiment! Je me sens vraiment si mal! Ma voix, elle a changé, c'est pour ça que je m'appelle Mickey Mouse, je suis le Mickey Mouse espagnol. En fait, c'est impossible de ce... Voilà, ce jeu-là. Quoi? Mais t'arrives de l'autre côté d'habitude, mais oui. Ça change de côté en fonction, hein. Mais en vrai, je sais pas c'est qui me fait le plus peur, Chica ou Mangle, mais je pense quand même Mangle, parce que Mangle, il est vraiment moche. Parce que le code, du coup, il change tout le temps, donc en fait, il y a littéralement aucun moyen que je réussisse. Là, il me manque deux chiffres,
Ça devrait le faire. En fait, avoir les chiffres maintenant, c'est vraiment pas dur. Mon vrai problème maintenant, c'est juste la survie, quoi. Ok, j'ai réussi à faire un code. Est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? Mais cette fois-ci, je pense que je vais y aller en plusieurs fois. En fait, je vais faire des allers-retours. Je vais faire aller-retour au casier à chaque fois. D'ailleurs, le casier, évidemment, t'as vu, ils l'ont posé bien loin. Comme ça, on est sûr de ne pas y arriver. Ok, on a mis les deux premiers chiffres, on est trop crazy, attention. Je voyais, on va y aller vraiment comme des salopes. On a aucune couille, c'est fini. Attendez, je crois qu'il y a un problème dans mon équation, il y en a deux, c'est la même chose. Attendez, mais les gars, il y a clairement un problème. En fait, je crois que j'ai pas le bon code. Non ! Quoi, on en est, les gars, venez, on le tente en mode improvisation, quoi. Mais bien sûr que c'était pas le bon code, je suis vraiment teubé. Ils étaient là les deux, ils étaient en train de faire des trucs cochons hein. Ok c'est bon les gars, normalement j'ai réparé le code. J'ai un nouveau code, il devrait fonctionner. Faut juste pas mourir. Le code il est là, normalement on a une tentative. C'est encore possible les gars, le rêve est encore possible. Faut juste être concentré, ce que je suis absolument pas. C'est carrément mon moment, pourquoi je peux pas reset le code? Ok je peux recommencer. Fort. Ok, j'ai ouvert la porte. Je me suis quand même recaché parce que les gars, on n'est jamais allé aussi loin dans le jeu. Je suis trop content actuellement. Rayton is happy. S'il te plaît, Chica. C'est pas que je t'aime pas, mais un peu quand même. Ce qui serait incroyable, c'est que Mangol descende maintenant. Parfait. Bah voilà, la vie c'est trop simple. Donc là, on a une méga entrée pour pouvoir aller voir ce qu'il y a là-dedans. Faut des engrenages. Ça, je crois que j'avais vu une fois. Les engrenages, on les trouve un peu où on veut, c'est ça? Je crois qu'ils sont ici les engrenages. Non, je suis pas fou. Je vous jure, elle marche comme une mamie handicapée. C'est terrible. Ah, t'es qu'il y a ça, attendez. Si je remets tout en on, il se passe quoi? Ouah, ça grand mieux. Oh, c'est beaucoup mieux avec de la lumière. Ok, c'est là qu'il faut trouver les écrous. Let's go! Dites-moi qu'il faut pas tout recommencer, 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 dites-moi qu'il ne faut pas tout recommencer. Oh merci! Oh, tu tue-moi, je m'en bats les couilles. Je suis trop content, les gars, vraiment! J'ai réussi! Je suis fier de moi! J'ai envie de pleurer! Bah, par contre, si à chaque fois tu me vois, c'est un peu la merde là. Ok, bon, j'ai compris. Il va falloir qu'on fasse un petit détour. Parce que Chica, tu commences à casser les noix de coco. Genre, je suis dans un glitch, en fait, je peux pas. En fait, à chaque fois, elle va revenir, ça me casse les couilles. C'est pas grave, ça va nous laisser le temps d'aller chercher quelques trucs. Donc là, en fait, l'astuce, c'est que je cours tout de suite. Je disais, faut que je trouve des écrous. Ah, mais non, même pas! Faut d'abord que j'allume. Hein. Lui, il fait trop peur. Ils font tous trop peur en vrai. Quoi? J'ai cassé Freddy? C'est une fin secrète? C'est quoi ça? Je vais me faire quoi? Oh sa grand-mère. Non mais vas-y, je voulais tenter un truc. Les gars, j'ai jamais vu cette fin là chez quelqu'un. What? On peut faire revivre Freddy? Je savais pas pour de vrai. Là, je suis en train d'apprendre un truc. C'est incroyable les gars, on a un glitch genre ultra secret dans la vidéo. Mais il allait m'aider ou pas? Parce que j'ai eu peur de lui, mais ça se trouve, ouais, il voulait m'aider. Je sais pas. Attends, on va se cacher là, normalement, il nous verra pas, Chica. Normalement. Oh, c'est juste juste, hein. Oh, c'est si juste. Mais du coup, on peut faire revivre Freddy. On va éviter de trop le faire, mais il faudra qu'on essaye de voir si on peut l'emmener super loin. Ça passe ou pas? Non, il est pas aussi teubé que Chica. Bon, les gars, on va y arriver. Ce mode-là, il est aise. Il me reste 10 minutes sur ma caméra. Ça devrait le faire. J'y crois de ouf, les gars. Si c'est juste récupérer les engrenages, je peux le faire. Je suis un professionnel reconnu dans plus de 17 pays différents. Tu vas faire quoi? Non, la POV, elle est horrible. Elle est horrible, cette vidéo. tu m'étonnes, frère. Il aurait été pas vu, il aurait été disrespect du milieu des animatronics. Il est trop teubé. Par contre, j'ai pas eu de chance qu'il soit arrivé vraiment genre pile sur moi. C'était vraiment pour me faire chier. Bon, est-ce que s'il vous plaît, par contre, cette fois-ci, vous pouvez pas me tuer genre dans les premières secondes parce que j'ai envie de jouer quand même. Parce qu'au pire, en vrai, il y a deux locks là. Hein. Genre, il y a deux lockers. Je sais pas à quoi ça sert le bail qu'on fait avec Freddy en vrai. Oula. Attendez, il y a des engrenages, les gars, qui ont bougé là. Hein. J'ai un engrenage. Mais genre, y a pas d'engrenage ici. Oh, mec. Les engrenages, faut les voir pour les croire. Ils sont tout petits. Ok, deuxième engrenage, je sais pas où il va. Mec, il en a combien? Je me concentre de ouf et j'en vois aucun. Parce que moi, je veux bien être le gentil et tout et essayer de vous aider, les gars. Mais ils sont. Parce que là, ça se voit que ça va partir en sucette, les gars. Mais moi, il me manque plein d'engrenages, là, en fait. Le jeu, tu me les donnes pas? À moins que ça soit fini? Non. Ah! J'ai la flemme. Les gars, je ne comprends pas. Ils sont où les engrenages qui manquent? Bon les gars, je vais quand même retenter. Mais c'est tellement dur. Mais en vrai, je suis trop content. Déjà d'être arrivé là, je suis trop content les gars, vous savez pas. Mais on va le finir ce jeu sur la chaîne. C'est le let's play de notre chaîne. C'est notre projet les amis. Oh le speedrun frère. Dire qu'il y a vraiment des gens, ils speedrun ce jeu. Là tout de suite les refs, mon but principal, c'est de savoir où sont tous les spawns pour les écrous. Si vous voyez un écrou les gars, il faut gueuler. Là il y en a déjà 3, c'est pas mal du tout. Je suis beaucoup trop en mode speedrun là, je suis trop premier degré dans le jeu. Faut pas laisser ralentir, Freddy la musique continue. Quand la musique est bonne. Mais faut pas le faire trop d'un coup. Faut y aller tout doux avec Freddy les gars, c'est un gars, il a un cœur en pierre mais en même temps il est en chamallow. Il y a un autre écrou juste là, on peut dire que c'est un écrou vice. Mais j'en vois pas d'autres, hein. Pour moi, à chaque fois, j'en trouve 3. Est-ce que 3 ne suffirait pas à votre bonheur au grand jeu FNAF? Non, je crois qu'il en manque un. Ouais, il en manque un, frère. Il est là? Moi, je suis trop fort. Mais c'est ça, non? Oh non. Il en manque 2. En vrai, ils sont généralement par terre, les gars. Prise de risque de la part des développeurs. Vous savez que là, je parle, mais il y a juste mes lèvres, elles bougent. En fait, faut vraiment regarder en détail partout, quoi. Vous savez que là, je suis à la limite de péter un câble et de casser mes dents. Hein. La musique, elle commence à trop ralentir, les gars. Non! Et c'est mis à tourner au moment. Avouez, c'est bâtard. Une heure que je cherche. Je suis tellement tendu à mon maximum, les gars. Il me reste que un écrou à trouver. Mais putain! Tu vas dans les deux sens, Chica.
Oh, il allait vraiment s'arrêter là, ça se sentait, hein. Ah, mais vas-y, mais vas-y. Les gars, Freddy s'est réchappé. T'es mon ami? Tu sais, on n'est pas obligé de se battre. Je veux juste passer, mettre un engrenage, tu me permets? Mon corps n'a même pas eu la force de crier. Les potes, si vous voulez qu'on continue notre let's play sur le jeu, n'oubliez pas de vous abonner maintenant. Je sais pas quoi faire pour réussir, mais je compte sur vous pour partager la vidéo. C'était Rayton, et ciao!